Salut, salut, c'est Kenny Meni. Ça joue, moi ça pique, mais là je sais pas pour vous, c'est pareil. Si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté dans un épisode de Tomb Raider en pleine action. On était en train de défoncer des mecs qui se sont. Qui ont débarqué à la Tyrolienne. Là, ils ont glissé des malfaiteurs, comme dans les vieux films de Chuck Norris, qu'on appelle ça des malfaiteurs, des méchants. Donc c'est parti, on va leur donner de l'amour. Voilà, donc c'est parti. On va pas les laisser débarquer. Ça. Voilà. Oh voilà. Il y a un mec avec un bouclier anti-émeute qui vient de crever en 2 secondes. Bon, on va prendre juste la mitraille. Hop, c'est chaud. Là, on n'a pas le temps de... Voilà. On n'a pas trop le temps de réagir, ce qui plaît. Il est où le mec qui nous tire là-bas de balles, là, de malade? Il y en a deux qui débarquent là. Voilà. Voilà. Il y en a un autre qui nous tire depuis, je sais pas où. Ah, il est juste là. Voilà. Après, il y en a un autre qui nous tire juste d'en haut là, je le vois. Je le vois, je le vois. Voilà. C'est bon, y a plus personne? Le calme est plein? Ouais, voilà, enfin. Ouf. C'était quand même show me more. Là, c'est bon, je me suis bien débrouillé. Je me suis bien planqué. C'était pas trop mal. Ils ont tous débarqué d'un coup. En plus, c'était des suicidaires, ils allaient vers moi. Il y a juste le mec de, avec son bouclier anti-émeute. Il a failli me dégommer la façade. Mais sinon, je pense que je me suis pas mal en sorti encore. On va dire encore. Voilà. T'as des mines toi mon petit? Ah bien joué. Donc nous voilà après quelques jours d'absence. Oh ça fait quasiment 4 jours que j'ai pas fait d'épisode de Tomb Raider. Mais ne vous inquiétez pas, je vais nouveau recommencer à faire un petit épisode tout le temps, quasiment. Tous les jours, je vous promets un petit épisode, sauf mercredi, mais sinon je vous promets que je vais vraiment attaquer à fond comble. Faux comble. Non, on n'est pas dans les Seigneurs des Anneaux. À fond le caclon. Cette aventure de Tomb Raider, voilà. Il faut bien pour qu'on avance assez vite et pour qu'on la finisse, car à la fin du mois, je vais commencer un nouveau jeu. Voilà. Si vous savez pas, c'est The Walking Dead. Vous allez voir. Je sais pas s'il est bien, mais on verra bien. Donc voilà, on parle plus, mais continuons tout simplement. Ouh, un petit cochonnet. On va tuer un cochon. Allez. Allez. Viens là, petit cochon. Viens là, mon petit cochon, il est où? Petit. Il va nous attaquer, fais gaffe. Armé de tes cornes. Non, c'est bon. Par contre, je ne sais pas où aller. Alors, c'est en arrière. What the fuck. D'accord, ça veut dire que je suis déjà trop loin. Ok. Je suis pas dans le bon sens, en fait. Ah, d'accord. Bah voilà. Je me disais aussi que c'était un peu bizarre, mais bon. Ah mais c'est là la porte, je suis retourné en arrière en fait. Ah là 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 là, ça va pas Kiddy. T'as fait perdre du temps à tes chers auditeurs. Auditeurs, à tes chers visionneurs. Oh, je sais pas si ça le fait non plus. Alors, voilà. Donc il doit sûrement se passer quelque chose. Voilà. C'est bloqué. C'est bloqué. Ici blanc, surveillance peut être quoi? Ah, c'est pour tirer avec l'arc, ok, j'ai compris. Surveillance peut être brûlé. Ok. C'est quand pour faire cramer les flèches déjà? Je sais plus comment on fait pour cramer les flèches. Ouais, je pense qu'on a lancé des flèches cramées, mais je me souviens plus comment on fait. Je sais qu'on prend l'arc. Ah voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut cramer pour qu'on puisse ouvrir la porte d'entrée. Voilà. Heureusement qu'on avait des petites astuces parce que j'aurais pas pensé tout de suite. J'aurais galéré encore pendant 5 minutes comme d'habitude. Voilà. Allez, de la force. Montre-moi tes biceps. infiltrer le palais. Donc quand il y a infiltration, il y a ennemi.
forcément. Je sais pas si je peux améliorer un équipement, par exemple, je sais pas, l'arc. L'arc, est-ce que j'ai une nouvelle compétence à améliorer? Non. Le fusil à pompe. Le fusil à pompe. Moi, oh, j'ai un peu rien comme matos. Le fusil tout court. Bof. J'attends d'avoir un petit peu plus de matériel pour améliorer mes armes, je pense. On va tout simplement... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais rien de bon. Je sais pas, ça sent le piège ou la trappe Nigo. Ouais. Quelque chose comme ça en tout cas. Bon, on va y aller hein, on y croit. Comment ils peuvent vivre comme ça? Oh, viens là que je te libère mon petit. Je sais pas si ça marche. Non, ça passe à travers. Un peu mal foutu je trouve. Mais bon. Oh mon dieu, c'est Grimm. Oh petit. Planque-toi là. Il est où? C'est quoi ça? Je comprends rien ce qu'ils foutent. Ils balancent des corps, on dirait. Là-haut! Grimm! Tu t'es échappé! Ils ont pas pu me retenir! Viens me rejoindre! Il faut qu'on retrouve les autres! D'accord, il est. Ah, il est là-bas, ok. Voilà. On va trouver notre copain Ray et Grimm. Grimm. Voilà. Allez, grimpe, ma fille. Mais oui, je l'ai vu l'échelle, ma... mon petit. Liquidez-la. Ah bon? Non, je pensais que c'était. Abandonne. C'était trop facile. Non, c'est la merde. C'est qui balance des trucs? C'est le... C'est la petite pute là. Oh. Ouh. J'adore me faire secouer. Bon, toi t'arrêtes de balancer des trucs? Les ignares. Voilà. On s'en fout, on crève pas, on est vaincu. On est vaincu, on est des malades. Voilà. Il est mort. Non, encore un là. Moi j'ai presque envie de les foutre des coups de piolet d'aller là-bas. Allez, moi j'y vais, je suis un malade. Waouh. Waouh. De toute façon, il faut que je les casse ici. Déjà qu'ils veulent pas se barrer en tout cas. Hop. Il y en a toujours un là. Waouh! Des pétards mouillés! Ramenez-vous ici et butez-la! Ah voilà! Il se ramène! Mais. La gueule! Tiens, un coup de piolet dans la tronche! Voilà! Toi, viens! Voilà, crème! Crème! Crème plutôt! C'est qui va encore? Allez hop! Hop, dans notre Kema. Yahoo! Saute, 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 ma petite Lara. Viens là, pas. Bam, un coup de piolet encore si tu résistes. J'ai bientôt plus d'arc. Je vais m'amuser avec le fils. Allez, crève. Allez, viens. Viens, les miens. Un coup de piolet dans la tronche. Voilà, j'adore le combat à corps à corps. Viens là, viens là. Bon, on arrête.
Allez, coup de piolet, ça va, nickel. Pas besoin de m'emmerder avec mes armes. C'est qui veut encore? Viens, viens. Il se casse. Ignore. Lara, t'es vivant. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés. Des grosses lopettes, ces mecs, ils se barrent, ils ont peur de moi. Peur d'une gangrène. Je ne peux pas. Non, moi je suis pas une gangrène. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Je vais essayer. Ouais, de toute façon, il faut que. Ce machin, il est pas là pour rien, de toute façon. C'est sûr qu'il faut que je l'utilise. Voilà. Mais c'est vraiment des lopettes, hein. Ces mecs, ils ont peur d'une gonzesse. Comment j'en mets la pâtée en quelques secondes? C'est juste incroyable. Allez, maintenant, il faut aller. Ah, par là. Hop. Pas besoin de chercher très loin. C'est facile. Là. Et là, il débarque, il me coupe la corde. Ah! Non, déconne. On y va. En tout cas, ils ont fabriqué un de ces putains de bordels par là, ces mecs. C'est pas du petit château de cartes, hein. C'est de la forteresse. Ah, voilà, je vais choper les mines. Il y avait encore quelque chose par là, non? Non, rien. Dans quel sens il faut aller? De toute façon, je pense qu'il faut progresser de ce côté-là. C'est fort probable. Ah voilà, cette rampe, elle est pas là pour rien. Voilà. C'est tellement prévisible. Salut! Voilà. Je m'amuse bien avec le pistolet. Finalement, je vais améliorer le pistolet. Je l'aime bien. Au début, j'aimais pas tellement le pistolet, mais je commence à bien aimer. La mitraillette, j'aime toujours pas ça, mais. Non, c'est bon, y a plus personne là. What the fuck? Ah là. Voilà. Yahoo! C'est la merde, qui veut se battre contre moi? Une flèche dans le cul! Et bam! T'es par terre, un peu. Oh, ça vient nous, ça vient nous. Le pète avec ton fusil. Voilà, bam. Normalement, il est mort. Normalement, j'ai dit. C'est bon. En charge. Il y a encore un pecno ici. Merde. Mais on dirait que je les tire dessus, mais ça marche pas, je sais pas. Je sais pas si je suis juste pas à côté, j'en sais rien. Voilà, lui est mort en tout cas. Et là, mon pecno. Voilà. Ah. C'est bon, tu fais pas péter, Squee. Y'a plus personne. Même si j'adore me faire Squee. Voilà, on va se planquer au cas où. C'est bon, y'a personne. Ah non, y'a quelqu'un. J'ai cartonné, j'ai fait un chien dans la tête. Attends, si, tu vas recevoir dans la tête. Ah, t'as pas. Tu vas un petit peu. Tu vas un petit peu plus longtemps, toi. Là, toi. Hey, il se planque, ce petit cochonnet, hein. Là, toi. Voilà. T'es fini. Là, c'est bon. La zone est sécurisée, je pense. On peut y aller. Voilà. Yeah, il y a du matos. Oh, celui-là, il est dans une drôle de position. Les jambes comme ça, c'est pas terrible. La paire pour faire... Voilà. On va pas ajouter de détails. Carte mise à jour. Tombeau secret proche. Ok. D'accord, ici il n'y a plus rien. Attraper, d'accord, il n'y a pas de mine. Donc maintenant on va essayer de trouver un petit système pour descendre jusqu'à notre ami de l'autre côté. Ah, ici, il y a encore de la mine. Ah, le tombeau qu'on a découvert, je pense c'est celui-ci. C'est pas par là qu'il faut aller. Voilà, c'est en montant sur ces machins que on va se déplacer. C'était prévisible. Ah non, on s'en fout. Tu es là? Vas-y, ma fille! C'est un piège! Oh non!
Bah finalement il faut que j'aille quand même, même si c'est un piège. Bon. Je sais pas pourquoi je me suis barré, j'ai paniqué. Allez, on prend le télésiège. Allez. On va les cueillir, allez. C'est parti. Ils sont où? C'est pas grave, moi j'adore les pièges de toute façon. De toute façon, tôt ou tard, il faut qu'on les tue, hein. Autant se faire 6000 surprendre. Pour garder un peu de suspense. Allez. En tout cas, c'est des télésièges très rapides. Bon, on va pas trop faire du ski, mais bon. C'est un peu le même principe. Yeah! Ça, c'était du saut. En tout cas, on est loin là. Il y a encore quelqu'un? Il y a encore un petit qui veut une flèche dans le fion? Non, il n'y a plus personne. Ah, je vais descendre. Je vais venir vous dire bonjour. Ils sont où? Oh là là. Allez, je viens te cueillir avec mon piolet. Viens. Voilà. Moi aussi, je te cueille. Oh, on a un autre qui arrive. Viens. C'est qui vient encore? Allez, je m'en fous. Encore, c'est bien mieux. Ça marche tout le temps, ça bug jamais. C'est bon avec le... C'est pas le nouvel an, là, avec le feu d'artifice, là. Voilà. Voulez-vous vous amuser avec le feu? Bah, moi aussi, je me sais m'amuser avec le feu. Allez, rampe à quatre pattes. Hop. C'est qui veut encore? Venez, venez, come on! I am, je sais pas quoi. Je sais pas parler anglais, bref. J'ai essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Enfin, bref. Bon, c'est mieux essayer que rien. C'est jamais, des fois. Boum! J'adore les explosions. Qui veut des explosions? C'est le bordel. Je t'ai vu. Bam! Ça, c'est de l'enchaînement. Un tir à l'arc et un tir au piolet. Et un coup au piolet. Allez, toi aussi. T'es tout seul. Viens. Viens. Voilà. Il fallait pas venir. Qui veut encore venir? Oh bordel. Voilà. Celui-là, je l'ai tué vite fait. Hein. J'étais à deux doigts de laisser ma peau. Mes cheveux. Ouf, ça m'a secoué. Oh yeah, mais j'adore ça. La vibration du sol. Non, ça me suffit pour vibration pour aujourd'hui. Sors ta cachette. Allez, on joue pas cache-cache là. Oh. T'as quel âge? Oh, j'ai pas peur, je me cache pas, hein. Viens. Regardez bien. Allez. Ah, enfin. Oh là là, le mec il est complètement planqué. L'autre là-bas, il s'est barré en courant, il était tout seul, après il s'est barré. Mais quelle lopette! Tous des lopettes ici. Lâche tes armes! Ou on tue ton ami! Tue le vieux, tue tout le monde, on a rien à battre du vieux. Il a déjà assez vécu de toute façon. Ok! Tu me fais pas peur! J'ai grandi à Glasgow, moi! Allez, liquidez-moi tout ça! Bien joué, le vieux! T'as encore quelque chose à dire. Oh, t'es un winner! Oh, en tout cas, il est mort comme un héros. Il est pas mort comme une merde. C'est à chaque fois comme ça, là. À chaque fois, tu penses que tu retrouves quelqu'un. Bah non. Tu seras toujours toute seule. À jamais. Oh non. Ils payeront pour ça. Mais c'est bon, il est bien mort, le vieux. En plus, il était déjà vieux, donc ça va. Il est mort en héros. Mon sauveur. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient mourir comme ça, d'une chute, d'une tour, en tuant quelqu'un, en tuant trois personnes. C'est juste génial comme mort, je trouve. En plus, la chute, tu vois rien. Quand t'es là, il te fait... Et plus rien. T'es mort. Donc, je trouve que c'est pas trop mal encore comme mort. Il y a beaucoup pire. Hein. Voilà. On y va.
Alors, fouiller les cadavres. Fouiller, fouiller. Petit, petit, petit. Voilà. Ça, c'est des belles maisons, hein. Non, je déconne. Bientôt, on est dans la... Je sais pas où elle est la... Je sais pas quelle est la forteresse. C'est celle-ci, vous croyez? Je vois pas d'autre tour imposante à part celle-ci. Ah non, je pense que c'est encore celle là-bas. Ah, c'est celle-ci derrière là-bas. Ok. C'est en allant vers celle-ci que j'atteins l'autre. Ok, ok, ok. Je vois le futur. Oh, 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 c'est pas bon. Allez, monte vite. Ah, voilà, joli réflexe. Ouf. Wow. Robin des Bois vient de débarquer à la rescousse de Lara. Oh là là, ça c'est Robin des Bois, ça. Lara, tu peux grimper maintenant. Ah oui. On voit avec qui elle a pris à tirer l'arc. Oh, ah non, c'est un sniper. Oui. Grimm est mort. Ils ont essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre. Mais il a préféré se sacrifier. Grimm. Foutue tête de mule. Désolé, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. Il est mort, on est héros. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Grimm. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir? J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. C'est bien, on a de l'appui enfin. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross de l'Endurance, vous me recevez? Lara, t'as entendu ça? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. En ouais, final, bonne nouvelle, il va nouveau cramer l'hélicoptère ou il va exploser, j'en sais rien. Lara, je devrais peut-être. Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Allez, à la rescousse. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis et j'ai le plein de flèches, c'est ça qui est bien. Ah, j'adore crier, ça m'encourage. Ah, super. Une idée? Oui, mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Ouais, super. Ça a l'air super sympathique. Bon. Un petit mode escalade. Là-bas. Qu'est-ce que je fais? Alors, là, là, voilà. Là, hop. Là, on va s'amuser à faire... Ah, voilà, voilà. Ah, on va passer par là, ok. Ça a l'air très rassurant comme chemin. Je les ai dans mon viseur. On y va. Je compte sur toi, Ross. Ouf, faut pas tomber maintenant, hein. Sinon, ça risque d'être chaud. Allez, monte, ma petite. Eu la fille. T'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on est. Oh! Allez là! Tu es presque. Ici à notre ami Ross qui nous couvre. Tu vas bien? C'est pas passé loin. Voilà. C'est bien. Ils sont distraits. Ils sont distraits grâce à notre pote. Ah merde, il fallait pas bouger. Bon, nous voilà. Désolé, c'est la première fois que vous me voyez mourir.
en Tomb Raider. Ah non, c'est pas la première fois, je suis mort mais en faisant exprès, mais là j'avais pas écouté ce qu'il m'avait dit. Stop, ne bouge plus, ils vont voir. Attends. Voilà. Vas-y maintenant. Il faut attendre ces indications, moi j'ai pas entendu. Stop. Attends, je l'ai presque. Vas-y. Voilà. Stop, attends, attends. Bute-le. Bam. Voilà. Lara, la voie est libre. Merci d'avoir couvert. Heureusement que t'es là, ma poule. Je crois qu'on est quitte. Lara, attention. Oh, ça c'était bien joué. Oh. C'est bon. Ouf. Ah. Tu vois, mon cœur il a failli lâcher. Merde. Pourquoi j'ai sauté? Voilà, cette fois-ci je vais essayer de pas crever. Vas-y, trace là. C'est presque. Hop. Vas-y, plante. Ouf, c'était chaud. Oh là là. On a même pas le temps de respirer. Désolé si je suis mort, franchement. Bon, une fois je suis mort, vraiment d'une façon idiote. Je vais les chercher, Ross. Je vais revenir. J'étais. J'ai pas écouté ce qu'il disait. Et la deuxième fois, je me suis jeté dans le vide comme une merde. Voilà. Bon, on va faire juste cette petite phase d'insertion. Et après, on finira notre épisode là-dessus. Oh là là, il y a du courant. C'est bon de se baigner dans une eau tout plein de morts. Ça a l'air très, très agréable pour la peau. Oh là là. Je crois qu'on peut faire tous les marrons. Mais... Voilà. On va finir tout simplement sur cette cinématique. J'espère que vous avez aimé ce prochain épisode, ce nouveau épisode. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode de Tremblement Under et à tout à l'heure pour la Maybox. Allez, ciao bonne et très bonne soirée. Tchuss.